l'hôpital de Keitaoui, au nord de Beyrouth, Fatima reste auprès de sa fille Ivana, 1 an et 9 mois. Elle est brûlée au 3e degré. Ivana est une victime des bombardements israéliens au Liban qui n'épargnent pas les civils et encore moins les enfants. Elle est arrivée il y a quelques jours après avoir été traitée dans un hôpital du sud du pays. Son état est stable et elle devrait être greffée dans les jours à venir. إذا أنا بقلك كيف سحبتهم ما بتصدق كيف قمتهم من تحت النار قمتهم في عندي شباك لبرا يعني سحبتهم ودغري صرت كبن من الشباك مشهد صعب الحمد لله بس تتخيل كيف صار بعد بس بنقول الحمد لله نحن طالعين بالجيب نحن معايرين بدنا نظهر قبل ما تضرب لانه في اصوات كثير عشان الولاد كانوا يخافوا بنتي هي الصغيره كانت بس تطلع طياره تقول لي ماما ديايا بوف اخش الطياره لك شو عملت فيها Dans ce centre, 5 malades sont soignés en urgence, 16 autres à l'étage sous surveillance. Une équipe médicale sous tension qui tente de soigner du mieux qu'elle peut les patients. On a reçu une quarantaine de malades brûlés. Et il y en a qui étaient gravement brûlés, même à 95%, à 90%, à 85%, à 80%. On a eu aussi des décès parmi ces brûlés. On a aussi reçu 5 enfants de 1 an, de 2 ans, de 8 ans, de 15 ans, de 12 ans. Des mamans, c'était que des civils vraiment à cause des bombardements qui sont venus chez moi. Et ces blessés-là, ils les transportaient immédiatement dans les hôpitaux les plus proches, là où ils sont bombardés. Et après, ils nous le transfèrent ici chez nous. Ils n'arrivent pas directement chez nous. Et ça, je vous dis ça pour dire qu'ils viennent chez nous en état de catastrophe, parce que les brûlés nécessitent dans l'immédiat des soins très particuliers.